J'ai perdu ce que je disais. Oui, sur League of Legends, Karthus a beaucoup fait jaser aussi Karthus. Forcément, Karthus, c'est exactement le même principe. Le pire, c'est que Karthus, il peut augmenter ses dégâts. Il peut augmenter ses dégâts, Karthus. Puisque Mephisto n'augmente pas ses dégâts, sauf l'Ability Power qui peut augmenter, mais sinon ça n'augmente pas ses dégâts. Karthus, sur League of Legends, vous achetez des items qui augmentent vos dégâts et vous faites super mal. Vous faites super mal. Et c'est le truc. Du coup, Karthus, sur LoL, est considéré comme un perso qui fait de la, qui sert à rien et qui appuie juste sur R. Et Mephisto est en train de tomber dans cette truc sur Heroes. Mais de toute façon, c'était, ils ont marché sur des œufs en faisant cette ultime. Mais ils l'ont inclus dans le jeu. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça rigolo. Ça permet plein de choses au final. Peut-être nerf un peu les dégâts, mais honnêtement, les dégâts sont pas énormes. Les gens sont en mode oh là là, ça tue 5 mecs et tout. Mais les dégâts sont pas insane. Donc, alors je vais tenter quoi? Build full Q. Je voulais changer de build. Non, on va réessayer le build que je voulais faire. Du coup, ça va faire 3 fois le même quasiment, mais je sais. Ah, faut que je vire Bennett parce que c'est formidable. C'est un outil exceptionnel. Je suis désolé, je suis AFK pour le début. Faut que je vire Bennett. Ouais, il l'a sauvé avec son fondu. Ah, avec le mur ça passera pas. Avec le mur ça passera pas. Je le sais et je l'ai fait quand même. Lieutenant Kerrigan. Au travail. L'ult de Karthus a quasiment 2000 de dégâts full stuff. Même plus que full 2 parce que ça dépend aussi de ton tes items. T'as le bâton du vide, etc. qui te passe à travers l'armure. C'est pas le cas de Mephisto quoi. Ouais, je trouve le changement sur le nerf. Bah, de toute façon, j'ai fait la patch note. Hein, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait sur. Je vais pouvoir m'escape normalement avec les petits sbires. Et du coup, je suis assez triste parce que en ce moment, Reddit influe beaucoup trop sur les changements de Blizzard. Et ça, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est vraiment pas une bonne chose. Surtout quand tu vois les messages Reddit. Hein. C'est vraiment pas une bonne chose. Je veux dire, là si Blizzard réagissait comme ça, la bulle TP serait changée sur sur WoW, etc. Enfin, c'est exactement le même acabit. Hein. Vous arrivez à part que... temps pour voir germer les graines de ma vengeance. Mais qui les récoltera en premier? Talento, talento, talento. Ils ont changé la voix. Hein. La première graine a germé. Ils ont changé la voix de la doubleuse. Il serait regrettable que vous n'en récoltiez pas. Ils ont changé la voix de la doubleuse. What the fuck? Bah après c'est pas moche, mais c'est pas la voix de l'annonceuse quoi. C'est insane. Il va sous structure. Bon bah écoute, pourquoi pas. Hein. On va chercher la fontaine. C'est bien ce qui me changeait. Mais en fait, le reste, ils ont gardé les anciennes voix. Mais cette voice line, c'est une nouvelle. Du coup, ça fait bizarre. Mais pourquoi pas. Je préfère. Je sais pas. Pourquoi pas. Ça choque quand tu l'entends, mais sinon. Ah, ça suit pas trop. On va reculer. Je suis pas trop. Maintenant elle est calme. Elle fait plus. Allez. C'est fort. Bah forcément Mephisto, tu l'attends à la sortie. Hein, il prend la bite. Germination d'une graine. Pour la récolte. Ah mais en fait c'est les voice lines de ce truc là, sinon c'est les mêmes. C'est les voice lines pour l'apparition du tribut en fait. Maintenant j'ai hâte qu'il meure pour entendre l'annonceur.
Mais l'annonceur est différent parce que l'annonceur, j'ai remis les voice lines, c'est l'ancien annonceur, hein, y a pas de change. C'est juste les voice lines de ce truc là. Ça se trouve, en fait, c'est la même doubleuse, sauf que c'est pas la même journée, du coup, elle avait une voix différente, elle avait une intonation différente, c'est possible. Hein. Parce que ça, c'est des nouvelles voice lines. Hein. Parce que ça se trouve, ils ont repris la même doubleuse, hein. Mais des fois, c'est con, mais t'as pas la même intonation, tu t'es levé plus tôt. Ça peut arriver, hein. Ou tu a descendu un peu de cigarette. Pourquoi je suis là, moi? Faut que je remonte. Bien. Oh, triste. Poursuivons l'offensive. My bad, j'aurais dû être là avant. Après, ils avaient vu que j'étais pas là. Mais j'aurais dû. On n'était pas obligé de la jouer d'ailleurs, tiens. J'y pense, mais on n'était pas obligé de la jouer. Parce que maintenant, ça fait comme Valmody. Donc, on n'était absolument pas obligé de la jouer. Moi j'ai touché. Si vous voulez résister à Mephisto, vous allez vers lui. Il vous fera pas de dégâts avec le Z. Et les sources de dégâts de Mephisto, c'est sur le Z. Poursuivons l'offensive. Ah merde, j'ai raté. Merci. Même doubleuse 3 ans après. Ouais, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi. Je suis une armée. Bon, après, t'as pas une portée de charge. Elle a été vraiment changée. Enfin, elle a été nerfée donc. Encore une graine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, héros. J'essaie à travers le mur. C'est pas simple, hein. Je vous conseille pas de faire ce genre de choses. Mais j'ai essayé quand même pour le beau jeu. Il a pogo. Attends, vas-y, refais. Tu pogo. Non, il veut pas. Parce que j'allais danser du coup en mode. Oh là là, il m'a pogo. Ah, voilà ma précieuse graine. Ramassez-la sans tarder. Quand tout le monde est mort bot, c'est triste. Comment appelle-t-on un fantôme qui n'est pas invisible? Et ça, c'est la blague de Nova à la base, cette blague-là. Je trouve ça rigolo qu'il l'ait remise pour Kerrigan. Cible identifiée. J'y vais. Excellent ce soin. C'est agréable d'être de nouveau humaine. C'est à combien de stack max? Bonus de dégâts sur le A. Que talento de estos luchadores. Putain, ça stack pas. Faut que je touche avant d'abord. Une nouvelle graine va germer. Tenez-vous prêt. Les bonus sont combien? 22. C'est pas énorme pour le moment. Parce qu'une fois validé, c'est quoi? C'est 50, c'est 100 de dégâts bonus. Après, ça s'additionne alors que lui multiplie. Donc c'est quand même pas mal. Mais c'est que sur le Z, là c'est que sur le Q. Et si tu joues sur le Q, c'est quand même pas mal. Ramasser la graine, vite. Ah oui, okay. Ah oui, d'accord. Du coup, ils mettent tout. My bad, j'aurais pas dû me faire choper. Ils ont tout mis, hein. Ils ont vraiment tout mis. Mais j'aurais pas dû me faire choper. J'aurais pas dû me faire choper, je voulais faire mon truc tranquille. Mais ils ont tout mis. Ils ont vraiment tout mis. Élige un talento. Pauvre fou, vous ne pouvez rien. Mono cible, multi cible. Faut que je change un peu. On n'est pas sur du full. Allez. Ahí está, tu poder. Muerte triple. Merde. Non, je perds des stacks.
C'est cool par contre, ils ont remis les blagues sur le hit and run et ça je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Par contre le niveau 1 il devrait faire en sorte que le shield dure plus longtemps. Pas beaucoup à la limite mais je sais pas, là c'est vraiment trop faible. C'est vraiment trop faible le temps. Bon, en vrai ça se stack relativement vite, hein, je trouve le 4. Hein. Bon après là j'ai mis du temps, vous allez me dire oui mais j'ai pas vraiment fait une vraie game où je farm, j'ai pas optimisé Q par vague de sbires parce que tu peux Q bien plus vite comme ça quoi. Voilà, là tu farmes beaucoup plus vite. En route. Talento, talento, talento. J'ai bien envie de tester ça. Après la durée est vraiment plus courte. Oh, il l'a cancel. C'était dangereux sinon. Par contre j'ai un gros shield. Ah, une graine se développe. Quoi, j'ai pas mon... C'est bizarre ce qui s'est passé là. Même celle-là elle est vachement longue comme alerte en vrai. Merci beaucoup à toi Paulali pour les 9 mois d'affilée. Récupérez la graine et ne vous souciez pas des traînes racines. Ils ne ressentent. Ah, il est à 3 rapides. Il a plus de puissance. C'est pas là avec le Q1, hein, les shields. Hein. Poursuivons l'offensive. Comme disait la main. C'est pour avoir les anciens dégâts en fait. Ça dure vraiment plus longtemps. Ouais, je sais pas, le 13. Je trouve que c'est trop en fait. Préparez-vous à récolter une autre graine. C'est moi qui tankais. Mais les sbires, ils étaient pas. Alors, ils sont pas en range, je sais pas. Pas beaucoup. J'aurais dû R plus vite. J'aurais dû R. Après j'aurais pas dû être aussi avancé. Faire un bouclier. Après je pense que celui-là est quand même trop important. Parce que ça tape en zone. Je pense que ce niveau 1 est beaucoup trop fort. Ce niveau 1 est beaucoup trop fort quand même. Même si le Q donne un shield. Merci beaucoup à toi en tout cas Shkra pour le sub. Mais je pense que ce niveau 1 est beaucoup trop fort pour le wave clear. C'est indispensable le Fureur de l'essaim pour moi. Et merci beaucoup à toi en tout cas. Merci à toi Shkra. Après le 13 en fait j'ai l'impression que c'est pas terrible hein, comme palier hein. Je m'attendais à que des trucs trop bien et en fait c'est pas si ouf hein. Quand tu regardes le total je trouve pas ça dingue hein. J'avais pré-tap au cas où mais on a pas besoin en fait. Ma précieuse graine est là, ils vont venir sur moi. Préparez-vous pour la moisson. Pour les questions sur Jardin de la Terreur, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc bah vous regarderez, elles seront sur YouTube les vidéos, je les mettrai dès que le live est fini, donc soit demain, soit dans la nuit. Ouais, ça dure vraiment plus longtemps par contre, ça c'est chiant. Mais dans les teamfights, c'est pas mal. La nature est fascinante, n'est-ce pas? Récoltez cette graine pour moi. Ouf, on a pris. Il arrivait d'où le ETC? J'ai pas vu. Parce qu'ils étaient que deux, il y avait des mecs au bot. Bon, c'est fait rect. Hein. Après, j'avoue être triste parce que la fracture elle passe mieux hein, quand même. Fracture elle a bien cassé les couilles. Nous on avait un séisme. Ça a pas été fou, mais on a eu le séisme.
Ah ouais, ça aussi c'est chiant ça. Bon, après j'ai pas eu le vous allez me dire j'ai pas eu le temps de Maelstrom. Mais c'est la fracture qui était très belle. Parce que ça, ça nous aurait fait beaucoup de bien sur Steam Fight là. Ça, ça aurait fait énormément de bien. Pas de temps à perdre. Mais honnêtement, je pensais qu'ils étaient que deux. Hein. On avait Mephisto bot, je me suis dit qu'il allait au moins avoir un autre mec bot. Parce que Mephisto tout seul, sinon c'est dire what the fuck. Du coup, très. Une nouvelle graine s'apprête à germer. Los técnicos están très étonné. Cayó el fuerte de los rudos. Una llave devastadora. Más vale que los rudos se la cobren. Ok, je suis un poil avancé, mais je trouve quand même que là, ils sont 5 mid. Je veux dire, ça push bot gratos, ils ont hard camp, ils sont en avance. Il y a le truc qui est là, il y a le easy, il y a leur easy. Ils sont 5 mid à me sauter dessus ici. Là, je sens que c'est de la personnalisée, quoi. Mes terreurs arrivent. Los técnicos destruyeron un fuerte. Après, je pense que le Maelstrom. J'ai pas regardé s'il y avait eu des bonus, des dégâts. J'ai pas vu s'il y avait eu des bonus là-dessus. Ah, mais oui, j'étais avancé. Je l'ai dit que j'étais avancé. Mais 5 mid, c'est beaucoup quand même. 5 mid, c'est beaucoup. C'est. Ah non, ça c'était pas... ça c'était con ça. Connaissez la famille. Fortaleza perdida. Bon, on a perdu, hein. C'est l'heure de la vengeance. Tout, tout, tout. Bon, los técnicos se anotan esta caída. Fuera esa fortaleza. Activation de la surcharge. L'aube se lève. Profitez de cet instant de répit et ah putain, j'ai pas vu. Là, tu vas me dire que j'étais le plus avancé de mon équipe en étant top alors qu'ils peuvent finir. Du coup là, comment ça se passe? Je suis le plus avancé probablement de mon équipe en fait, ça doit être ça. Pour ça qu'ils me poursuivent à deux là. Ça va vite maintenant l'ultime Mephisto. Ouais, ça va vite. Hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool à ce niveau-là. On s'en fout du groupe en vrai. Du coup, tu étais trop avancé. Bah ouais, sur ma call core, je suis trop avancé là. On va jouer Bright. En vrai, jouer support, ça va me péter les couilles. Hein. Si ça refait comme cette game en support, ça va me péter les couilles. Bon, on va tester. On va tester. Et du coup, je pense que si ça refait la même, bah plutôt que m'énerver, je vais arrêter après, tout simplement. Ah oui non si c'est pardon, je suis con, je suis sur le PTR donc il n'y a pas de soucis. Et quelle heure est 21h. Bon on va rattraper, on va faire 3 minutes de pause le temps qu'on fasse le salon de toute façon et on se retrouve après. Voilà, à tout de suite.